Ah, Mimi de Mandaril. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Trop cool, enfin vous aurez sûrement vu le titre. J'ai trop hâte. Je vais aller me faire tatouer. Parce que je sais pas si vous avez vu sur Instagram, j'avais repartagé la story. Mais en gros, j'ai gagné un concours pour un tatouage d'une valeur de 200 euros. C'est Ximpi Tattoo, donc c'est à Mons en Belgique, si jamais ça vous intéresse. Et j'ai trop hâte, je stresse un peu parce que ça va être sûrement la plus grosse pièce que j'ai. Mais j'ai trop hâte de voir ce qu'il va faire, on a déjà discuté un peu sur Insta et tout. On va partir sur une petite compo, champignons, potions, citrouille. Parce qu'en fait mon bras gauche, j'aimerais le faire complètement sur le thème de la magie. Slash Harry Potter, j'aimerais bien que ça reflète l'univers mais que ce soit pas flagrant non plus, je vais pas me faire un portrait de Harry par exemple. Et franchement le style de ce tatoueur là, pépite pour les projets que j'ai pour mon bras, c'est parfait. Du coup je suis trop contente. Et il avait l'air hype aussi, donc franchement tout bénef, parce que pour moi c'est hyper important que l'artiste, ça lui plaise aussi quoi, parce que c'est un peu nul si tu demandes un projet à quelqu'un, et puis quitte le tatou et qu'en fait il met pas du tout de son cœur dedans, enfin c'est un peu nul. Du coup je suis trop contente et j'espère que je stresserai pas trop les jours d'avant. Du coup je vais vous prendre avec moi pour cette journée de vlog tatou. Et on se retrouvera sûrement en fin de vidéo pour faire un débrief que je vous montre le tatou. D'ailleurs je vous ai pas dit mais j'aimerais bien du coup le mettre soit à l'arrière de mon bras, enfin quelque part par ici quoi. On verra en fonction de ce que le tatoueur dit, si jamais ça rend mieux à un certain endroit plutôt qu'à un autre. Et du coup, on se retrouve juste après la vidéo.
Du coup, je suis rentrée chez moi. J'ai mon tatou. J'espère que vous avez apprécié le petit timelapse en accéléré. C'est un truc que j'aime trop faire dans les vidéos, mettre des trucs en accéléré comme le speed build, comme la vidéo tatouage que j'avais déjà faite. Et du coup, voilà la bête. Je trouve qu'il rend trop bien. Bon là, il est vraiment en train de salement croûter, genre ça fait 3 jours. Ouais, ça fait 3 jours que je l'ai. Du coup, il est vraiment en train de prendre le contre-coup des 2 heures de séance. Mais je l'aime trop. Quand je le vois, j'ai envie de pleurer vraiment. La citrouille, elle est incroyable. J'aime trop. Je l'aime d'amour. La séance avec le tatoueur, elle était trop cool. Enfin, après, j'ai beaucoup parlé parce que quand je stresse, je parle beaucoup. J'espère que ça l'a pas trop perturbé dans son travail. Mais vraiment, c'était trop cool. J'avais un super bon feeling et tout. Enfin, l'ambiance du shop était géniale. J'ai trop adoré parce que même à part le tatouage, la séance était trop cool. Donc si jamais vous n'êtes pas trop loin de Mons, que vous voulez des tatouages, je vous mettrai l'adresse du shop à l'écran. Vraiment trop bien, j'ai trop kiffé. C'est un des meilleurs concours que j'ai gagné, sachant que j'avais déjà gagné un concours pour ce tatouage-là. Donc, c'est une autre petite potion. Et sur ce bras-là, j'ai juste encore un petit serpent. Donc ça commence à bien avancer du coup, ça fait bien avancer les travaux de mon bras là. Du coup, d'abord merci au tatoueur qui m'a permis de gagner cette pièce incroyable que j'aime trop. Merci pour la séance aussi, c'était vraiment top, j'ai trop kiffé. Et ensuite, bah merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, même si là bon c'est pas très objectif parce qu'il est vraiment en train de croûter et tout, il est pas du tout cicatrisé. Et c'est un petit commentaire, un petit like, allez checker le compte Insta de Ximpy. Et on se retrouve bientôt, je sais pas encore quand, mais on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je retournerai bientôt sur Animal Crossing parce que là toutes mes vidéos elles ont rien à voir avec Animal Crossing. On se dit à la prochaine et en attendant, bye.